Eh oui, monsieur. Il a quitté. T'as pas 35 kills, les potes. Yo les potes, c'est Apex Gounin. Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, les potes. Gros gameplay aujourd'hui, 31 kills avec la M13 et la MP5. Gameplay qui a beaucoup été demandé sur la chaîne, M13 qui est une arme sous-cotée et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y aura deux classes que je vais vous proposer maintenant qui risqueraient de plaire à tout le monde. M13, les potes, pas beaucoup de dégâts, mais des gros lasers qui font plaisir. Je vais vous présenter ça maintenant, les petits potes. Donc pour la M13, on est sur un silencieux monolithique, canon tempus tireur d'élite, poignée avant de commando, chargeur 60, poignée arrière pointillé. Cette classe-là, c'est celle-là que vous verrez pendant la vidéo. Classe avec laquelle on a fait 31 kills, je suis encore très fier de moi parce que la M13, bon, c'est fort, mais des fois pas tant que ça. Et ensuite, pour la deuxième classe, les potes, que je vais te montrer, c'est très simple. Tu retires ça, tu mets juste ceci. Voilà, zéro recul. Avec le viseur holographique américain, t'auras une classe M13, zéro recul. Y'a rien de plus simple. Après, si jamais t'aimes pas Lolo, tu le changes, y'a pas de souci. Mais avec cette classe, gros, zéro recul, instantané. Et pour la MP5 qui m'accompagne avec cette M13, les potes, silencieux intégral monolithique, laser 5 MW, poignée avant de mercenaire, chargeur 45, poignée arrière pointillé. Comme ça, t'as pas besoin de viser au jugé, et entre 30 et 40 mètres, tu mets des gros lasers quand même. C'est la MP5, ça fait des dégâts de toute façon, l'une des meilleures SMG du jeu, et ça ne bougera jamais. Avec pas de cours, surarmement survolté, avec moi ça change pas, C4 paralysante, et petit point important, maintenant je joue un peu fantôme pour tryhard un petit peu le solo, parce que sans fantôme, tu te fais back de tous les côtés. Donc je rejoue fantôme pour le tryhard et proposer des plus gros gameplay. En tout cas, bonne vidéo à vous, les potes. Oula, j'ai galéré à parler. Bonne vidéo à vous tout le monde. Si jamais le gameplay te plaît, un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et n'hésite pas à me proposer des armes avec lesquelles je pourrais réaliser d'autres gameplay et à proposer pour l'Apex LAN. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Un ennemi atterrit dans la zone. J'ai l'impression qu'il y ait grand monde avec moi. Un mec sur le top VR. On va rusher un de cette origine. Ils sont en bas. Yep. Comment il va, Adam? Adam, il va au goût. Ça, ça, ça. On va récupérer ces petites balles. On a un mec là, on l'a vu. Je vais dans cette direction. On l'a vu. On l'avait sur la map vu qu'il a tiré. Est-ce qu'il a roté à droite? Y'a un mec par là normalement. Il a pas bougé. Ça, ça sert à faire la loupe. On va faire la loupe comme ça, après je fais mes classes tranquilles. Et écoutez, on va être bien. Je suis en train de tirer à l'origine là par là. C'est bon. L'origine, on va dire que j'ai pas trop envie d'aller les jouer. Hop. La petite loupiote. Ça, à mon avis, c'est le trophée du mec que j'ai vu tout à l'heure qui s'appelle Adam. Rejoignez le nouvel emplacement. Mr. Adam. En vrai, on est déjà à 3 petits kills. Il reste encore plus de 100 joueurs, donc on est pas mal, on est pas dégueu. Il faudrait juste que je me dépêche de faire la loupe, sans avoir mes classes. Yo. J'ai marqué l'objectif. Elle est en bas.
Merde. Comme ça, comme ça. Comme ça. On doit faire les classes. Ah, c'est plutôt pas mal. Là, normalement, on aura la petite M13, la MP5. Après, on rotation les primes. C'est moment de faire du bonbon sale, là. En plus, on a un mec là. Il est dans le garage. Merde, j'ai loupé. Allez, go. Le mec qui reste là. Enfin, qui respawn. Pas beaucoup de shoot là, le Kigunin. Hein. Oh man! Il est en haut lui aussi ? Ouais. Il a un angle sur moi, c'est correct. Hein. Il reste des mecs vers les hangars. Ça. Oh la thune. Là, il a quand même. Ça gros, c'est apprécié. Réellement, le petit sac de thune. On est à 11 000. Autoréa, drone, prime. D'ailleurs, la prime KSI vient d'être prise. Envoyez un dispositif de reconnaissance. On va aller le rush directement. Bon, écoutez, on a un start plutôt pas dégueu. Hein. Bah rush le mec qui a la prime, en vrai ça doit être un petit rusher des familles. Attention, le drone n'a plus de carburant. Où est-ce que tu plantes, mec ? Il a pris une prime mais il campe. Hein. Qu'est-ce que tu fais Pablo ? Qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu Pablo ? Il s'est perdu dans Verdance, tu le pauvre. On va aller rechercher un drone, il y avait pas mal de monde en vrai. Et j'ai pas envie de grid la game. En vrai, j'ai encore mon goulag, donc on est pas mal. Mais j'aimerais bien le garder pour la fin, si jamais. Enfin, pas envie de me fail, en tout cas. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Yo. On approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. On va monter directement sur le toit bâtiment quarry. Il m'a pas vu passer. Ensuite j'aurai la prime là. J'ai même celle de la tour en vrai. Non, c'est pas dans la tour, c'est silo. Oh, je dis de la merde. Et les gens de l'Apex, ne m'écoutez pas. Hein. Je dis full merde. Regardez-le comment il bouge pas. Alors Turbo Maxime 06. On tombe. Ah, j'aime pas les gens qui campent. J'aime pas. Hein. C'est gavant. Bon, en vrai, on a bien nettoyé ce côté de la map. On est plutôt pas mal. On va reprendre un drone, la prime.
Depuis tout à l'heure, on a fait qu'une loupe et on est déjà à 13 kills quand même. Hein. Ce côté-là de la map est incroyable. Pour Slay, c'est un putain de bordel. Identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. Cible mise à prix a été éliminée. Pas comme ça. Ils ne veulent pas les kills des autres, voyons. À la batteuse là réellement une PKM. What the fuck? Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Éliminez-les ou capturez. Bah écoutez, on va aller le détruire. Hein. Je vais pas me laisser faire. C'est fou quoi, les gens ils ont plus la brune, du coup ils jouent PKM maintenant. Ah, les gens gros, tu peux leur donner ce que tu veux et continuons de jouer à la batteuse, hein. C'est un délire. Arrêtez de jouer à la batteuse. On va retourner garage, avant il y avait du stuff, donc sûrement des plaques. On va se remettre bien. On a la prime là. Je vais dans cette direction. J'ai clairement envie de le buter l'autre. Hein. Là, je ne vis que pour le déglingue. Le savage là, il va périr. La cible mise à prix a été identifiée. Occupez-vous d'elle. Sky's Nation. Ok. Bon, il a pas la zone, il a pas de véhicule. Yo. Ça gros c'est fait, c'est plus à faire. Au moins voilà. Ensuite on va prendre celle-là, on retourne au shop, Autoréa, drone. Yo. Je sais pas ce qu'il faisait là. Drone, ça peut venir de beaucoup d'endroits quand même. Hein. Oh, calme-toi, mec, calme-toi. Hein. On va pas être pote longtemps sinon, moi je te le dis. C'est fou de camper comme ça sur un top. Est-ce que c'est lui qui serait descendu au hangar? Y'a moyen. La vengeance, mec, la vengeance. Attention, le drone n'a plus de carburant. Je suis tellement nul à chier. Mais le turbo maxi, frérot, on l'a tué une fois dans la tour, et là il recampe dans un corner. Cet homme est incroyable. Il vit pour camper, il s'en bat les couilles. C'est incroyable de camper comme ça. Il s'arrête jamais. Attention, le drone n'a plus de carburant. Cible mise à prix identifiée. Éliminez-moi ces enfoirés. Il y a toujours le mec là-haut, il y a un mec là.
En vrai, la game est pas du tout dégueu, on est déjà à 20 kills. Par contre, on est déjà plus de 25 dans cette zone, frérot. Donc, à mon avis, il y a un autre gros slayer ou un délire. Voire même un cheater, ce qui me fait un peu bader. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais la game est pas mal. La game est vraiment pas mal. Dispositif de reconnaissance en ligne. Un drone arrive sur zone. Je pars aussi du principe que ma prince s'est faite buter bâtiment quarry, donc je pense qu'il y a un mec bâtiment quarry en vrai. On va réfléchir de manière rationnelle. Pour moi, il y a encore un mec là-bas, mais en fantôme, du coup, je vais même pas y aller. On va aller jouer la prime hein, tranquillement, on a le temps. Elle a pas de véhicule, elle est hors zone. On a un avantage qui est incroyable. La petite thune. En vrai, lui, il va être simple à jouer, on va se mettre par là, frère. Il va venir vers nous. On a largement le temps. Quoique, il y a moins qui colle la zone et que j'ai pas la prime au final. Tellement marre des gens qui campent. Tellement. On va monter sur le toit. De toute façon, là, peu importe où il passe, en soi, il est open kill, donc bon. Le kill va pas être dur à prendre. Vu. Ensuite, on va décaler là. Il y a deux véhicules, ça me plaît. Juste peur qu'un mec m'attend fantôme ou un délire. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Il y a le train qui passe. On va remettre un drone au cas où. Besoin d'un dispositif de reconnaissance. Yep. Terminé. Je vais par ici. Qui va au shop et... Ça m'a l'air d'être un goulag. C'est totalement un goulag, non? Ouais, c'est un mec qui vient d'atterrir, on a vu le parachute. Le parachute! Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitailler. Envoyez un dispositif de reconnaissance! Oh gros, mais cette M13! Oh! C'est que tu manges, mon frère! Des Smarties dans ta bouche? Car oui, évidemment, l'M13 par contre, en termes de dégâts, c'est un pistolet à billes. Et quand tu mets des lasers, c'est... Ah ouais, c'est incroyable. Genre en vrai, la M13, gros, c'est un pistolet à billes. Mais quand tu mets des lasers comme ça, frérot, c'est... Waouh. C'est incroyable. On l'a vu. A bougé. Leader, besoin d'un dispositif de reconnaissance. Terminé. Il a pas bougé. Il a clairement pas bougé. Hey mec, écoute-moi. Si un jour tu veux être meilleur, campe pas. Ok. C'est un petit secret. Attention. Alors. Le drone n'a plus de carburant. À la base de ravitaillement. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Alors lui gros c'est un goulag mais 3000%. Hein. Lui mon frère. Il allait si vite sans véhicule. Une Formule 1 hein, le mec. Il y a un mec là, ça m'intéresse. Je vais dans cette direction. Ça m'intéresse beaucoup ça. C'est les petits gens qui passent open field et tout là. Ça m'intéresse fortement. Et il a fantôme. Nice. Du coup ouais, pour ceux qui savent pas d'ailleurs, si jamais tu mets un drone et que le mec est vraiment à l'extrémité du drone, donc à l'extrémité du champ d'action, bah tu le vois même s'il a fantôme. Sauf qu'après bah tu le vois plus du coup. Donc t'as une info, mais elle est, comment dire, elle est très vague.
Genre, tu peux pas faire une info plus vague que ça. Genre, le mec, tu le vois, il est à 200 mètres et après, tu l'as plus dans ton radar. C'est. Ouais, c'est pratique, mais pas trop. Chef, laissez tomber. Yop. Pourquoi. Pourquoi il décale à gauche? Ok. Lui il visait à gauche aussi hein. Mais y'a personne. Pourquoi il visait à gauche? Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. I don't know. Yo mec, le pire timing de France pour toi. Hein. Oh merde. Le drone n'a plus de carburant. Le pire timing il a eu frère. Je vais aller choper fantôme, même si j'aime pas jouer fantôme, gros on va jouer le top 1, on est à 27 kills. Donc voilà quoi. On va jouer ça, après on va mettre un drone, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, je viens de tilter. Pas beaucoup d'argent, je suis pauvre. Comme dans la vraie vie, mais ça faut pas le dire. Alors, il y a deux colis. Oula! Calme-toi! Il était méchant, Didier, hein. Didier, gros, il voulait pas mon bien. Il voulait clairement me la mettre profond et me ruiner ma game. Et je suis pas trop court, personnellement. Alors, il y avait un mec par là tout à l'heure sur le drone. Son colis est là d'ailleurs. Dispositif de reconnaissance en ligne. Un drone arrive sur zone. Ouais, il est là. Regardez-le fuir son. Lui, gros, il est dans la tour. Il reste plus que 4 ennemis. Vous savez quoi faire. Ouais, j'aurais su, j'aurais pris un airstrike, j'aurais dégommé sa gueule. Oh, il est infâme. Le gaz se rapproche, changement de zone de sécurité. Clairement infâme le pauvre type. En vrai, je vais la tampon, on est à 29 kills. Hein. On peut faire une 31, je fais les deux kills. Et il y a un mec military base et le mec dans la tour. Regardez, on le voit coucher. Regardez la gueule. Regardez la gueule là du type. Laissez tomber. En vrai, ce qui va se passer, c'est que je vais attendre celui-là. On va attendre qu'il saute. Et après, on sera en 1v1. J'ai pas intérêt de me fail. Sinon, Zebi va me casser la gueule. Il fera putain, t'auras pu faire 31 kill tapping. C'est faux, Zebi est très gentil. En tout cas, les potes, que pensez-vous de cette petite M13 hein? Voilà, la petite M13 des familles. Là, il m'a vu le con. Regardez quand même comment ça joue en solo, un animal frère. Genre. Je peux te dire que sa vie a pu la merde lui. Ah c'est sûr. J'ai eu peur. Dispositif de reconnaissance en ligne. Oh le dernier il a la prime sur moi, genre sérieusement. Oh la shot qu'il a. En vrai, moi ça m'arrange aussi quoi. Ok. Yo mon bro.
peut discuter. Gaz, on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Et oui monsieur, il a quitté. Top 1 35 kills les potes, let's go avec la M13 et la MP5. En espérant que la M13 vous plaise les gars. J'ai pas fait énormément de kills avec, je crois que j'ai dû en faire une quinzaine. Mais bon, au moins vous voyez ce qu'elle vaut. Sur ce, bonne soirée à vous, bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle de la Affection. La bise tout le monde, c'est Kizunin. Sympathique cette game, très 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 sympathique.